Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal Mi-temps journée sur télévision nationale d'Haïti. Pour démarrer le journal, ça, nous allons recevoir le collaborateur Wilner Polidor pour conditions météorologiques journée. Nous invitons à suivre. Salut à toutes et à tous, c'est un plaisir pour nous ensemble encore aujourd'hui, nous mercredi 28 février 2018 et c'est le dernier jour dans le mois ça, on a vu comment la situation est. Et nous avons un épisode depuis pendant deux jours qui sont passés, on a vu comment la situation est sous région Caraïbes. Nous avons un talvec d'altitude que nous avons parlé pour deux jours passés, li a décalé 7 vers Porto Rico, ça veut dire dans le canal de la Mona, mais Haïti toujours en bas, influence, talvec ça. Et on a vu comment ça sensible pour aujourd'hui. On a bien une journée qui a bien soleil en début d'après-midi, mais dans la fin après-midi, on a bien vraiment quelques nuages convectifs sous plusieurs départements et régions sud là a concerné. Département de l'Ouest, Centre-Antibonite, a toujours concerné par et zone de convection ça yo ça veut dire n'a gagné quelques activités la pluie jodi a sous département de cité là yo département Grand-Anse NIP sud sud-est et département de l'Ouest à la rigueur la Tibonite y a concerné par activité la pluie ça yo pour jodi a pour capitale avec zone qui environne le son capitale cap joue de beau temps en début de journée mais en fin d'après-midi a commencé à gagner convection et en début de soirée, au cours de nuit, on est capable de gagner quelques activités d'appui sous capitale là avec zone qui est environnelle pour aujourd'hui. Même si ce n'est pas tout quartier, mais il y a une majorité quartier qui environne capitale pays d'Haïti qui a gagné quelques activités d'appui et température noire monte aujourd'hui jusqu'à 32 degrés Celsius. Pour la mer, c'est une mer qui a peu agité près des côtes. Mais au large, la mer a agité. C'est pour ça que les capitaines d'embarcation, pour être prudent, pas trop aller dans le fond de la mer parce que le fond de la mer a agité pour jeudi. Et pour page astronomique, jeudi soir, a couché à 5h55. C'est tout ça que nous avons pour la situation météorologique pour après-midi. Nous disons merci pour écouter avec fidélité. Nous avons croisé pour une autre page météorologique. Yon go merci à Wilner Polidor. Président République la Jovenel Moïse annoncé gen disposition kan pran pour créer la tounen langue travail nan CARICOM. Chef l'État promet la continuer travail pour voir yon pi belle image Haïti sous scène internationale la. Nous invitons suivre yon extrait dans micro Sabine Jean-Étienne avec Jean-Aël Duverny. Moi crois que c'est un bon beau bagage dans le futur pour introduire créole la nan CARICOM nan tout parce que gen on a fait de examen que au café pour tout petit monde dans Caraïbes là moi rêvé ouais que examen ça yo pour ça veut dire pour petit monde dans bon baccalauréat caribéen c'est en créole que vous faites c'est dit nous travail et pour introduction française hein, comme moi dit nous extrêmement cher pour affaire de traduction yo. Mais pour a fait une interprétation simultanée nous d'accord sur lui nous commençons en Haïti et nous croyons que tout côté pour la concession là toujours comme ça nous va bien un handicap ça pour la française le pour grand dossier qui est abordé dans CARICOM là faut un agenda CARICOM là autrement c'est une question d'intérêt général que nous dire faut dire que dans la session que nous avons aujourd'hui, nous avons abordé la question d'intérêt général qui n'a pas de résolution supposée pour nous. Et pour nous clair que nous avons abordé parce que l'image de ma classe, c'est pour ça que nous travaillons, nous avons carré comme dans la tour. Tout le pays a une image pour protéger l'image. Et Haïti, l'image nous, c'est un handicap que nous avons qui ne fait pas qu'à lever campé. C'est notre destruction image nous. Je dis, moi président pays a depuis un an, image pays a tout ça possible pour faire que image d'Haïti respecte à l'extérieur n'a fait. Je nous commence à faire dans lutte n'a fait contre corruption. Je nous commence à faire dans route n'a construit dans tout pays a. Je nous commence à faire dans électricité nous va le mettre dans pays a pour petit. Haïtiens qui ont courant, les besoins pour étudier. Image pays, aujourd'hui, nous avons travaillé pour que tout le monde sur la terre soit capable de
connaît que Haïti son pays où il fait bon de vivre. Haïti son pays qui a une belle plage, son pays qui a une bon l'eau naturelle. Je vais parler de toute cascade nous connaît que pays a rien. Ça veut dire aujourd'hui c'est ça nous besoin pays côté fok monde qui a parlé de bien de pays a, parce que Haïti c'est là où gardons vers de l'eau. L'eau, elle, c'est pas à moitié vide pour elle, c'est la moitié, il faut regarder à moitié remplie. C'est Haïti, ça nous rêve, et c'est pour les Napteurs. L'autre information dans le journal, ça, dans le cadre d'un projet courant dans tout le pays, le président de la République, là, Jovenel Moïse, mettait campé population Joanarien, première section communale Inche, avec localité Lagoune, qui chita dans la troisième section communale Ati, dans Maïsad, bénéficier appareil pour mettre courant la Kayo. Citoyen yo qui applaudit ça, remercie chef l'État qui pensait à que mon cas vive dans la zone Rekileyo. Yon reportage, Anne-Marguerite Auguste a présenté nous. Yon changement qui pas prend temps pour arriver. C'est avec un pile cœur content moun Ati ak moun Joanaria recevoir appareil pour mettre courant la caillou. Yo exprimé satisfaction yo face à engagement ça président République là te prend en faveur yo. D'après bénéficiaire yo, j'ai ça montré président Jovenel Moïse pas quitter yo pour compte yo. Yo profité attirer attention président sur l'autre difficulté y a confronté dans zone y a vivre là. OK. OK. L'aime tout ça, moi tellement satisfait depuis m'a voté depuis m'là. Première année me satisfait de ça parce que vote moi pas perdu. C'est ça que fait te dit nous c'est numéro 5 là, on seul doit pas manger calalou. Gen là c'est parce que c'est 5 là qui fait nous prend calalou assez. On nous manger vrai. Moi journée aujourd'hui me tellement content. Tant que gen pas faut qu'on besoin charger 10 gouttes là pour charger téléphone nous et comme gaz là même. Et à ce là gade belle lumière forme d'ailleurs chon 5 gout gaz et que de façon petit green zo pour zeya tap pou non poule qui t'a aidé payer l'école petit tout c'est lou qu'on prend why vend ba machin non devant nous 5 gout gaz. Ça c'est le commencement de la modernité pour moi parce que autrefois me tenais fait noir mais je dis à quand moi éclairé non seulement ça pral aider ti moun yo pour étudier puis plus ça pral aider nous dans toute façon parce que depuis qu'a éclairé il y a pas quel avantage que vous jouez. Il y a un ensemble de travail où tu as une opportunité pour te faire pendant soirée, sous pas de gain, si tu pas de clé ou pas de café. Mais du fait que tu as clairé, bon, c'est normal. Tu as fait un pile de bagaille. Je dis président, merci un pile pour d'après ça, il fait pour nous. Et je demande bon Dieu pour toujours continuer, pour nous toujours voter pour l'autre, le candidat encore. Son premier président qui retire nous dans l'enfer noir, ça, qui mette nous dans la lumière. Et par la grâce de bon Dieu, nous pas regretter combien là pour nous faire canaille là. M'a dit président Jovenel merci parce que nous pas con si nous t'ai espérer avec lumière ça j'ose dire parce que c'est tête grid nous t'ai con lumière connait là pas nous pas plein tête grid encore. Député Inchlan Fred Piton salier initiative ça cap contribuer dans j'effort cap fait dans cadre développement durable là. D'après parlementaire avec courant ça mon yo gagne la caillou pral permettre activité économique nan nuit yo reprendre ça qui pral aider améliorer condition la vie mon yo. Député Maïsad la Louis Romel Bogé aller dans même sens là li croit lumière c'est un nan moteur développement durable équipe en place là a prôné ya programme ça sou programme qui fait à politique côté président li dit que si wap faire une zone, c'est pour prendre toute zone nette en général. On ne peut pas connaître si moun ça a été pour une porte, si moun ça n'a pas été pour une porte. Avec ça, là, pour moi-même, c'est plus un plus bon maille qui est important, qui permet que le programme ça marche dans bien, j'ai voulu marcher. Et je pense que le bail qui est extrêmement important, c'est que les gens directeurs sont dire, l'organe qui a dépensé près de 15 gouttes, et nous avons dans l'optique guide, l'embalène, ou avez regardé qu'on y a la grosse caque qui passe la dernière là, dans la bègue. Bien que yo pour finaliser le net dans la justice mais que trois timoun qui brûlé jusqu'à présent nous pas connaissons pas même problème ça créer qui fait ça arriver pour moi même soit extrêmement important depuis me connais que m'a travaille en dans commune moi pour que jamais ouais côté population content comme ça pour aller à soir tout monde qui t'a vivre qui t'a dépensé gaz lampe baleine et bois pain
qui ça ça te kon représenter pour Kayo. Jodi a nou ka di nou nan section Lagoun et nou Lagoun nan section Ati. Jodi an c'est avec un pile cœur content que moun yo recevoir ti kit sa yo qui là qui pral changer vie yo, qui pral améliorer vie yo. Pral améliorer vie yo sur deux points. Sur et question santé yo, il pral améliorer santé moun sa yo. C'est environ 1000 familles dans deux zones sa yo qui bénéficient courant la Kayo. Bénéficiaires yo quoi avec lumière yo vinn gagner la caillou pral aider changer condition la vie yo pour yo te remettre yo appareil ça plusieurs séances formation te organisé en faveur yo pour montrer yo comment pour yo gérer appareil yo pour permettre yo durer longtemps. Merci Anne ak Hervé, directeur général unité lutte contre corruption en ULCC David Basile dit li content pour deux points Haïti prend en classement enquête Transparency International pour année 2017 là. Résultat enquête ça li dit montrer ferme conviction l'état haïtien gagné pour combattre corruption dans pays a. Falan Delphine a dit nous plus dans un reportage. 180 pays qui signent une convention internationale lutte contre corruption en Haïti trouvé en 157e position avec un indice 22. D'après le rapport 2017 Transparency International, ça qui balle 2 points en plus par rapport à l'année passée. Rapport ça a prouvé l'État haïtien sur bon route dans la lutte contre la corruption à travers structures gouvernement mette en place pour permettre un plus bon contrôle des ressources publiques et réforme système financier haïtien, d'après le directeur général ULCCA, Major David Basile. Tout pays qui signe à terre convention Sahayo, et bien pays Sahayo, il y a toujours tant de rapports Transparency International. C'est comme si Mnadjou, si mon gars l'école, ou a tant de canet. Ou t'es bien étudié, ou t'es bien travaillé, ou t'es fait devoir de maison, eh bien, en juin, les canets à venir, que au content. C'est dans la situation ça, ULCC, je dis, le président de la République, là, et ensemble avec chef de gouvernement, eh bien, l'inan, yo tracé a, c'est la lutte contre la corruption. Et nous, le président Bajam, raté une occasion pour le pas mateler concept ça, pour que tout le monde connaisse que mes côtés limités axli. Directeur général ULCCA promet li pral travail pour mettre une boîte à lettres dans différentes institutions yo dans administration publique là pour permettre citoyens yo signaler autorité yo dans kayota wè gen corruption dans institution yo. Nous gagnons un projet là par exemple pour nous placer ce qu'on appelle des boîtes d'alerte dans différentes institutions. Pour qui ça nous voulait faire ça? C'est pour permettre que n'importe moun qui par exemple dans institution qui voulait de manière anonyme pas vrai dénoncer un fait de corruption qui a passé en institution là, il est capable juste écrit on petit note il a gagné dans boîte d'alerte ça. Nous gagnons perspective pour nous continuer avec déclaration de patrimoine, n'a fait pile pression pour que autorité yo fait déclaration de patrimoine parce que c'est une exigence de la loi. Et c'est un bagage qui peut permettre que gagner moins corruption. Ça aurait les enrichissements illicites là, les notigeants diminuer jusqu'à ce que nous ca résorber totalement. Continuer à campagne déclaration patrimoniaux qui c'est une exigence. La loi fait autorité responsable dans l'État yo. Sensibilisation dans l'école et l'université pour permettre plus de monde connaître le phénomène de corruption, c'est quelques stratégies que l'ULCC a mis en place pour continuer à progresser dans la lutte contre la corruption. Unité centrale renseignement financier UCREF publie un rapport de travail réalisé pendant trois premiers mois d'exercice fiscal 2017-2018. Là. Dans le rapport, le technicien UCREF fait connaître, il recevait 15 083 déclarations provenant de fonds physiques et 45 175 déclarations par voie électronique. John Herbie Casseus n'a pas contredit. En dedans rapport, le responsable unité centrale renseignement financier UCREF fait connaître, analyser et classer 49 364 déclarations qui sortent dans fonds physiques, ça y aurait les DPF là. Dans le document, le technicien UCREF explique qu'il a traité trois requêtes pendant la période.
10 pour bureau affaires financières et économiques, 10 pour bureau affaires criminelles et 10 pour bureau Interpol. Yo finalisé 7 dossiers, yo classé 2 lots parce que pas gain assez indice et puis yo transféré 5 lots dans paquet Port-au-Prince. Selon information yo, traitement requête ak dossier sa yo réalisé à travers collaboration qui existait entre UCREF ak diverses autres institutions en dedans kou deyò pays ya. D'après responsable unité centrale renseignement financier yo, collaboration ça doit permettre l'état haïtien renforcer capacité institution yo pour goumen contre blanchiment l'argent ak financement terrorisme en Haïti. L'autre dossier dans journal ça, commission intérieure collectivité territoriale ensemble avec commission planification et coopération externe Sénat, chita parler mardi 27 février avec représentant Fédération nationale magistrat haïtien yo. Dossier blocage fonds communal yo té nan mitan discussion yo selon président commission intérieure François Denius à président commission planification en Sorel Yassinthe qui té nan micro Fédéral confident avec Moïse Wilbridge. Gen yon mésentente entre la Fédération nationale des maires avec le ministère de la planification sur question déblocage fonds communaux. Ministre lan gen yon argument qui chita sur yon arrêté et c'est l'arrêté du 27 septembre 2017 et FENAM li même li gen yon lecture qui pas contraire à lecture ministre planification mais qui bail une possibilité pour fond yo té capable débloquer et porter service en dans commune yo. Maintenant rencontre lan li té fait autour de seul point ça et nous té abordons l'autre point que nous pas épuisé net, c'est la mobilisation fiscale, mais essentiellement nous té parlé de fonds communaux qui doit débloquer, d'autant plus que ça fait 4 ans 2 ans sous gouvernement président Matéli, 1 an sous président Rivière, 1 an sous président Jovenel, pour pas débloquer population a gen problème. Donc nous fait une discussion, nous pensons qu'il capoter en pile fuit en attendant que demain nous rencontrer avec ministre planification. Nous même ça préoccupe nous, on a parlé de décentralisation, on a parlé de mairie, de collectivité, on a parlé de développement des collectivités. Donc jodi a nous croyons que après 4 ans pas gagné des fonds qui débloqués. Donc tant que président Fresnay ou dit le sénateur Fresnay, nous rencontrer, nous discuter, nous fin discuter avec les maires et demain nous allons discuter avec les deux ministres. Souci nous-mêmes au niveau du Sénat. Commission planification et commission intérieure. C'est comment fonds communaux ça de concert, alors pas de concert, les mairies et les deux ministères n'a ensemble pour nous connaître comment pour nous rendre fonds ça opérationnel, comment nous allons débloquer fonds avec la loi en main nous, mais aussi avec le souci pour nous connaître que si 4 ans pas aucun fonds qui débloqué, ça veut dire que mairie, collectivité, ministère, nous-mêmes en tant que pouvoir qui parler de développement, nous n'avons pas raison d'être nous. Donc demain, avec ces arguments, nous avons chita avec les deux ministres pour en clair nous connaître qui, Mbabral dit, qui compromis, comment ensemble pour nous joindre. Un modus operandi pour nous développer, nous débloquer, nous décaisser fonds à eux. Bon côté parle le président Fédération nationale magistrat haïtien Jules Edouard Pierre exprimer satisfaction li pour rencontre si la qui te gagné entre membres des commissions yo ak représentant fédération an sous problème qui existait entre mairie yo ak ministère planification et coopération externe sous question blocage fonds communal yo. Magistrat Jude Edouard Pierre expliqué mairie yo pas jamais recevoir fonds yo. Yon extrait toujours dans micro Fédéral confident ak Moïse Wilbridge. Nous voulons dire que la discussion était bien déroulée, nous très satisfaits de discussion yo, puisque FENAM a gagné opportunité pour lutter prioriser une solution institutionnelle à problème non qui était point de vue sénateur yo, et nous verser justement auprès de la commission ensemble de documents qui capables
édifier yo et garder comment rapidement une solution ka joindre. Ministre Aviol li évoqué un arrêté présidentiel du 27 septembre 2017 qui publié dans le Moniteur le 4 octobre 2017. Li tenu compte de un premier article, nous-mêmes FENAM nous dit article 2A l'illégal tout et la bay plus possibilité plus facilité pour cobla de kessé avec Mirio et puis c'est fonds communaux c'est développement local Mirio c'est premier responsable en dans commune non donc nous pensons que gagner obligation justement que Mirio joue un rôle de premier plan dans question ça et demain sénateur yo invité ministre Aviol pour faire des positions pâles et éventuellement nous et à fond rencontre à nous trois avec ministre intérieur pour regarder qui solution institutionnelle nous ca joindre parce que nous toujours dit et m'a reprendre président Jovenel. Sa vie politique là, c'est un bien collectif, c'est le plus grand bien pour tous les citoyens, toutes les citoyennes. Nous pour lui comme dirigeants au niveau communal et au niveau fédération en tout, nous pour une solution institutionnelle et c'est ça qu'on a cherché. Nous bien contents, c'est dans le Sénat, ça a commencé et nous espérons que ça va aboutir parce que c'est quand même 48 mois que par contre une commune bénéficie de rien. C'est 24 mois d'administration et de ces fonds par le ministre Aviol. Que pas une grande commune qui recevoit un rien de gros problèmes. Alors, il était 10 millions de gouttes pendant deux dernières années, président Matélio, il était instabilité, c'était agent intérimaire, il n'y a pas de décaissé. Il était 10 millions de gouttes du président privé. Il était dans le budget rectificatif, le président Jovenel, il était 500 millions parce que c'était 4 mois avec les Staffini qui était normal. Ensuite, pour année ça, c'est 7 millions liés parce que il y a un cas avec nous qui bénéficie, que nous saluons, que nous comptons. Et je dis 7 millions liés, mais il y a 500 millions de gouttes pour 140 communes qui, depuis fait exercice 16-17 là, qui ne peuvent jamais décaisser, qui étaient sanctuarisés, qui disponibles malheureusement, retard, yo, inexplicable et inexpliqué. Et la Cour des comptes était ben, un avis à ministre de planification qui dit qu'il ça pour le faire. Donc, à partir de l'avis ça et de la loi organique de ministre de planification et arrêté présidentiel du 27 septembre 2017, là, nous saisis le Sénat qui pourra analyser les questions hein, et aider nous à une solution institutionnelle, faire toute commune, tout pays à joindre justement solution, joindre satisfaction parce que, quand même, Grand Sud, c'est plus que 18 mois, il finit écrasé, il y a un fonds. En d'un budget de l'État, qui est les fonds communaux, et bien beaucoup de gens ne donc, on problème quelque part, je pense que Grandance, Sud-Sud-Est, NIP, mérité mieux que ça. Et je ne crois pas que les bon pour personne, que comme l'a pas décaissé, ça fait bien. L'autre nouvelle, la cérémonie inauguration Centre Santé Communautaire qui est en première section communale Tomazo, localité Beraka, fête mardi 27 février. Ambassadeur Japon en Haïti, Yoshiaki Hata, ak député Tomazo Aprin Cyprien, Azek, Kazek, ak moun nan communauté a te présent nan cérémonie sa. Yo reportage Richardson Jourdan ak Rémi Godjit. Centre Santé sa gen deux salles consultation, deux salles observation, un laboratoire, un pharmacie, un salle archive ak un bloc sanitaire. Li bal desservi plusieurs membres nan communauté a ak l'autre zone qui sous côté yo qui conviennent en pile difficulté pour bénéficier de soins santé d'après coordonnateur général Union paysan pour développement sous sab qui te fait démarche bon côté ambassade Japon pour implanter centre ça dans section communale Beraka. Les ambulances ne peuvent pas fréquenter la zone à cause de l'impraticabilité de la route. On était obligé de la transporter soit sur un brancard et fauteuil où elle est portée par quatre hommes. Ces personnes sont souvent rendues là mon chemin. Maintenant, grâce au support financier de l'ambassade du Japon et le soutien de Gildan, la zone est enfin dotée de centres de santé. Député Thomas Zoua, Prince Cyprien, expliquer présence li dans cérémonie inauguration centre santé ça permet de comprendre plus bien difficulté moun Beraka a fait face. Pendant le promet, libre la bataille, bon côté gouvernement, pour comment yo ka fè route ça qui mène dans cette santé. On a la santé ici, mais je vais voir avec la caravane si on peut amener la route ici. Parce que les moun yo malades, il faut nous capables de transporter dans cette santé. Si c'est moto, nous prenons avec pour nous prendre moto. Si c'est machine, nous prenons avec pour nous prendre machine. Si c'est sous brancard, pour nous porter. Je ne sais pas que mon yop ka passe dans la boue pour porter brancard pour un monde qui est malade pour mener dans cette santé. Ambassadeur Japon en Haïti, Yoshiaki Hata,
renouveler détermination pays pour accompagner peuple haïtien à travers gouvernement dans quatre travail qui vise à améliorer conditions santé population. La santé est la base de bien-être et un indicateur important du développement socio-économique d'un pays. En ce sens, je voudrais féliciter l'engagement de Nyon des paysans pour le développement de sur sable Santo et ses environs et toute la communauté de sur sable Santo pour les arrangements envers l'amélioration des conditions sanitaires de la zone. Chers responsables de l'association, membres de la communauté de sur sable Santo, chers staff de centre de santé communautaire Beraka de Tomaso, mon souhait le plus sincère est que ce nouveau bâtiment puisse bénéficier d'entretien adéquat et constant, afin de demeurer fonctionnel et opérationnel pendant longtemps et servir plus de nos générations aux services de santé dans la zone et ses environs. Projet ça qui est réalisé dans quatre programmes aide sous forme d'un petit projet en ambassade Japon en Haïti, coûté 80 836 dollars américains. Merci Jourdan ak Gojit. Voilà, amis téléspectateurs, c'est le moment pour nous observer un coup de pause dans le journal. Ça, restez branchés, nous tournons tout de suite après. Dans le pays l'autre bord de l'eau, pays États-Unis a accusé Moscou d'est-ce qu'il a joué un rôle déstabilisateur dans le pays Syrie. Assad, Trump et Poutine t'a semblé voyager jeter échec camp et bataille là pendant habitants Nagoutayo toujours été aptan edio. Nous invitons à suivre un reportage. Pays États-Unis a accusé la Russie comme quoi toi joué un rôle déstabilisateur dans situation pays Syrie a traversé. Ayamadia, une première tentative pour camper bataille là pendant 5 heures de temps. Nagouta oriental la échoué. Yon campé bataille qui fait pour seulement 3 ans à cause force régime Bachar al-Assad yo ak djihadis yo reprend bataille yo. Observatoire de Amoun ak Casblanc yo constaté bombardement yo recommencé dans pays ya, ça qui cause la mort nouveau civil. Presque 600 perdit la vie yo depuis 18 février, parmi yo 150 timoun. L'actualité sportive là, basketball, c'est 10 joueuses Fédération haïtienne basketball déjà sélectionnées pour défendre que le pays a dans jeu Amérique centrale à Caraïbio. Et puis à l'étranger, Coupe d'Italie, Milan, Lazio, Juventus, Atlanta, c'est programme demi-finale retour Coupe d'Italie qu'a fait jeudi. 29e réunion intersessionnelle chef l'État, chef gouvernement CARICOM là arrivé dans Boutli mardi 27 février. Dossier blocage fonds communal yo té nan mitan yon rencontre qui déroulé a yemadi a entre membre commission intérieure collectivité territoriale et puis commission planification à coopération externe dans Sénat République là à représentant Fédération nationale magistrat haïtien yo FENAP. Population Joanaria première section communale 1 chaque localité Lagoune Kishita dans troisième section communale Atina Maïsad recevoir appareil pour permettre aux gain courant la caillou de l'initiative qui rentrait dans le cadre programme Kaipam Cléré. Eh bien, messieurs, dames, c'est la journal La Boute pour jeudi. Merci à tout le monde qui t'a suivi le journal. Nous invitons à être branchés Télévision Nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Pendant que nous souhaitons à tout le monde un bon après-midi.